Merci de l'invitation, merci pour cette possibilité de, de présenter quelques activités que j'ai développées ces dernières années, que ce soit agroscope et au Fible. Donc, Je m'appelle Raphaël Charles, je viens de la recherche, j'ai une casquette chercheur aujourd'hui, même si aujourd'hui je travaille aussi passablement dans la vulgarisation, mais j'ai décidé de garder ce volet recherche dans ma présentation. Donc, Vous aurez pas mal de, de graphiques, j'espère que ce ne sera pas trop lourd. Dans ma présentation, la question c'était de savoir où les gens en sont. Est-ce qu'ils commencent avec les couverts végétaux ou est-ce qu'ils ont déjà travaillé sur des systèmes plus complexes Je vais passer en revue l'ensemble de ces différents mécanismes en partant d'éléments assez simples par rapport à la notion de couvert végétal pour arriver à des éléments plus compliqués. Par rapport aux présentations qui ont été faites, c'est clair que pour un chercheur, c'est difficile. D'arriver à ce niveau-là parce que les paysans sont innovants, complexifient la chose alors que le chercheur doit simplifier, doit s'attacher davantage aux facteurs. Donc, ça, c'est toute la difficulté c'est de décortiquer tout ça pour retrouver des mécanismes simples et repartir ensuite dans le système complexe. Par rapport au changement climatique, je rejoins ce qui a été dit tout passe par le sol, tout passe par le système. Donc, ce n'est pas avec les couverts végétaux que je vais résoudre les choses dans l'immédiat. Il y a une urgence climatique, euh, mais ces couverts s'inscrivent dans le long terme dans la capacité d'améliorer euh, tout le système. Donc ça, c'est aussi un, un élément important, je pense, euh, par rapport à cette urgence, par rapport à cette nécessité de trouver des, des bons couverts, euh, de vraiment s'inscrire dans le long terme, parce que finalement, mon, mon problème de flotte, c'est lié à mon sol, à sa capacité d'absorber de l'eau, de conserver cette eau. Euh, pour nourrir ensuite euh, mes plantes. Euh, donc je viens d'agroscope, j'ai fait 22 ans dans la recherche agroscope, depuis 5 ans je suis au Fibble, Institut de recherche de l'agriculture bio, on a une petite antenne en Suisse romande, d'où je viens, où je fais toujours la recherche. Euh, dans un monde idéal, ça c'est la ferme assez typique, vous connaissez un peu la Suisse peut-être, euh, l'exploitation polyculture-élevage, euh, c'est un monde idéal parce qu'il n'existe plus vraiment, c'est aussi un monde idéal. Parce qu'il a ce côté assez sectorialisé, et comme on a vu dans les présentations précédentes, finalement les choses ne sont pas autant sectorialisées qu'on voudrait, qu voudrait bien le croire. On voit que les couverts végétaux peuvent agir comme des prairies, que les couverts végétaux ont de multiples fonctions, que le compost arrive en plus dans des systèmes où finalement on a simplifié les choses. On a dans un contexte actuel, si on regarde un bilan humique, je reprends quelque chose qui a été présenté avant. Euh, dans un contexte de bilan humique, on a euh, un rôle découvert végétaux qui sont ici appelés cultures intermédiaires, euh, disons dans les cultures intermédiaires avec des, un potentiel au niveau du bilan humique qui est relativement réduit. Ça, c'est une exploitation assez typique de la Suisse romande avec des apports essentiellement faits sous forme de, de fumure organique pour un bilan ici assez positif par rapport à la minéralisation. Donc, un bilan joué essentiellement sur la fumure organique. Par contre, euh, le potentiel des cultures intermédiaires, tel que je l'observe aujourd'hui dans nos exploitations, il est relativement réduit. Je constate aussi que les résidus facultatifs, comme euh, la paille, etc., sont relativement exportés, donc jouent peu sur ce, sur ce gain en, en humus euh, possible. Donc, sur cet ensemble, il y a moyen de progresser, il y a moyen euh, de faire avancer nos systèmes, tel que ça a été présenté euh, jusqu'à présent. Donc, si je regarde dans la pratique, on a des gens qui ont cette capacité d'aller chercher des ressources. En carbone de façon très diversifiée. On a, on a des agriculteurs qui, même dans ce contexte-là, sont, sont des bons agriculteurs, euh, ont plutôt de la peine à aller chercher d'autres ressources organiques que la fumure organique traditionnelle ou euh, sous forme de, de, de compost, par exemple. Euh, en passant, ce bilan humique, c'est un outil qui est proposé aux agriculteurs qui sera probablement même imposé pour recevoir les paiements directs à l'avenir. C'est juste pour donner à l'échelle de une vue de ce qui... Euh, où se situe l'exploitation en termes de gestion de, ses, de, de son bilan unique. Euh, si je regarde un autre élément important par rapport aux couverts végétaux, c'est clair que c'est la couverture du sol. Si je prends le blé d'automne tout à gauche, euh, la couverture du sol d'un blé, elle est relativement faible. Si on regarde pendant euh, l'hiver, on a euh, une couverture relativement faible, donc un sol finalement exposé à des risques d'érosion. Si je prends un maïs en silage de l'autre côté, on a une multitude de contextes de couverture du sol moyen. On a des situations où on a le maïs après un sol nu ou bien des situations où on a un maïs précédé d'un couvert végétal. Donc c'est typiquement ce genre de culture particulièrement intéressant euh, que le couvert végétal pour compléter une couverture du sol qui varie selon les espèces. Alors si je comprends si je recontextualise tout ça, on a une rationalisation de l'agriculture qui est conduite notamment suite à l'abandon du bétail dans les zones de grande culture, qui conduit à une spécialisation et puis une perte de fertilité du sol. L'agriculture de conservation constitue une des voies connues pour réduire ces euh, atteintes au sol et euh, notamment euh, en termes de fertilité du sol, mais aussi euh, pour réduire euh, les coûts de production. Excusez-moi, j'ai un bras qui... Qui foire un peu. Euh, donc l'objectif pour nous, c'est de valoriser les couverts végétaux euh, pour contribuer au développement de l'agriculture de conservation. La question, c'est à quoi est-ce qu'ils servent, qui sont ces couverts végétaux et comment les intégrer dans mon système. Alors si je regarde de façon assez traditionnelle euh, les couverts végétaux, on parle généralement de, de culture intermédiaire, de culture intermédiaire piège à nitrate, de cipan ça c'est d'engrais vert. ça c'est la définition assez classique, où on a une récolte d'un précédent, ensuite on a des pailles éventuellement laissées sur le sol, et on a le développement d'un couvert végétal pendant l'interculture, avant le semis de la culture suivante. Ce qu'on constate aujourd'hui par rapport au développement généraux, c'est qu'on a une complexification du système, on se contente plus simplement de récolter une culture, de semer son couvert, et devenir avec la culture suivante, mais on a aussi euh, des intercultures plus ou moins courtes, plus ou moins longues. On a des cultures intermédiaires qui sont semées dans la culture précédente et, euh, et, et qui sont euh, rendues au sol longtemps avant la culture principale, voire juste après l'ensemencement de la culture suivante. On a en fait finalement un objectif global de couverture permanente du sol. Et l'ensemble de ces systèmes, en fait, demandent aujourd'hui de, de bien comprendre comment les végétaux fonctionnent, quels sont euh, les mécanismes sous-jacents, comment associer les espèces, d'abord, quelles sont-elles, pour essayer de tendre, parce que ça, je pense, c'est l'objectif, à une couverture permanente du sol. Et euh, si je regarde les pratiques aujourd'hui, on a vraiment des extrêmes, donc, comme je disais, entre des cultures intermédiaires très, très classiques. Un peu administratif, je dirais, euh, et le couvert vivant, permanent, tel qu'il a été démontré précédemment. Euh, les premiers travaux qui ont été faits, euh, je dirais, dans les couverts végétaux, il y a une quinzaine d'années, consistaient simplement à observer les cultures chez les paysans, telles qu'elles étaient en place, par une multitude d'acteurs qui ont essayé de caractériser ces différentes espèces, généralement conduites en, en pur. L'objectif était bien sûr de comprendre ces, ces cultures et ça c'était important. L'autre élément important c'est euh, à quoi servent ces couverts et ça je pense que c'est un, un facteur clé c'est à quoi servent mes couverts et trop souvent on sème des couverts certains sèment des couverts pour mettre des couverts comme les voisins ont fait. On est parti de la facélie et de la moutarde. De la moutarde c'est intéressant parce que ça produit pas trop de biomasse, ça gêne pas trop la, euh, la mécanisation, etc. Mais finalement. Euh, manquait derrière les objectifs. Et si je regarde les objectifs, à quoi servent nos couverts végétaux On a une multitude d'objectifs envisageables. Et ces objectifs, bien sûr, dépendent totalement de mon système d'exploitation, de mes objectifs, de mes problèmes de parcelles, de mes problèmes de gestion de l'ensemble de l'exploitation. Donc on peut envisager différents objectifs, que ce soit au niveau des propriétés chimiques, physiques, biologiques, mais aussi à l'échelle du système de culture. Donc le point central, c'est... Finalement, avant tout ça, de décider mais, quel est mon objectif, pourquoi est-ce que je m'ai découvert. Et en fonction de ces objectifs, c'est ensuite de choisir son couvert et sa technique pour atteindre l'objectif visé. Donc ça, c'est un point central. Si je regarde, il y a en 2007-2010, les objectifs en matière de, de couverts végétaux dans nos conditions, protection du sol contre l'érosion, ce n'était pas un objectif prioritaire. Lessivage nitrate, pas très intéressant. Par contre, fixation biologique de l'azote, c'était, on sentait quelque chose. Ça vient notamment des exploitations avec peu de bétail qui voyaient une perte de fertilité générale de leur sol. Maîtrise des adventices aussi, passée accompagné de l'introduction du SMI direct notamment des travaux réduits du sol. Et on voyait là aussi un objectif très clair. Par contre, euh, réduction des herbicides totaux, il n'y avait pas vraiment d'objectif. Quelques ans quand même, c'était le début des histoires du glyphosate. Euh, pour le reste, c'était totalement négligeable en termes d'objectif. On est dix ans plus tard, le contexte a assurément changé. Vous voyez, le, la matière organique, on entretient la matière organique zéro. Alors qu'aujourd'hui, je pense que si on pose la même question aux différents expérimentateurs chez nous, la matière organique vient au premier plan. Augmentation de l'activité la biologique du sol zéro. On est dix ans plus tard, on voit la différence. Et la question qui se pose pour nous chercheurs aussi, mais aussi pour tous ceux qui innovent dans l'agriculture, c'est qu'est-ce qui se passe en 2030 Alors on a eu des indices tout à l'heure de possibilités d'utilisation de la couverture végétale au sens général. Et je pense qu'on doit réfléchir dans ce sens-là. Aujourd'hui, on a Beaucoup de documents qui permettent d'écrire couv les couverts végétaux. Je ne vais pas les passer en revue. Mon but, ce n'est pas de vous donner des solutions techniques. Ces documents, ils existent partout, dans chaque région, au sein des différents organismes de vulgarisation. Euh, simplement, on a une documentation relativement large pour décrire euh, les différents couverts végétaux. De même, on a un certain nombre de documents. Alors ici, Agridea, c'est une... C'est une centrale de vulgarisation qui met à disposition des vulgarisateurs de la documentation. On a des fiches techniques sur les services rendus, sur la gestion de l'azote, sur la description des espèces en pur, sur des descriptions de mélange d'espèces, le choix des espèces en fonction des services et des, quoi, des objectifs et des services. On a des modes d'emploi pour euh, réaliser son mélange, optimiser les techniques de SMI, mode de SMI après récolte. Optimiser la destruction des couverts. Donc, on a beaucoup de documentation. Cette documentation, bien sûr, il faut l'utiliser. Je ne vais pas la lire avec vous. Mon objectif, c'est de revenir sur un certain nombre de, euh, procédés, euh, de processus, pardon, qui ont lieu au niveau du couvert végétal, dans les systèmes d'interaction sol-plante, mais aussi plante-plante. Donc, je vais rester très, très concentré sur le végétal dans un premier temps, puis après, on va explorer un peu les systèmes. Donc euh, reprendre quelques éléments. Type de semis, on a différents contextes, travail du sol intensif, travail simplifié superficiel, semi-direct, trois contextes totalement différents par rapport au choix des par rapport à leur fonctionnement. On a des éléments qui sont propres à la parcelle, quelle est la capacité de minéralisation de ma parcelle Quelle est la flore adventice Quelle est la rotation Quelle est la culture qui vient derrière Quels sont les semoirs disponibles Et aujourd'hui, euh, on a euh, des systèmes de semis très, très différents où comme je disais, on a le semoir assez classique euh, après récolte euh, pour une destruction avant l'installation de la culture suivante mais si on regarde tout en haut, on a des sous-semis dans une culture existante, ça c'est une réponse assez directe de pas mal de producteurs par rapport au contexte de réchauffement, c'est profiter de l'humidité résiduelle durant le printemps dans ma céréale pour amener la petite graine qui va s'installer, et ensuite de ça, dès la moisson, j'aurai quelque chose en place, notamment des trèfles qui vont très très bien. Encore faut-il avoir choisi la bonne céréale auparavant, etc. Ou bien on a des, des, des semis sous la batteuse, c'est aussi une manière de répondre à ce genre de contexte. Je dirais par rapport à la question assez sèche de savoir comment résoudre mes problèmes de sécheresse à partir du moment où mon sol n'a pas cette capacité de, de conserver l'eau. C'est vrai que les semis précoces chez nous fonctionnent le mieux. Ceux qui commencent les couverts végétaux, qui sèment euh, après une moisson, après avoir déchaumé, euh, généralement ils sont dans le sec, ça ne marche pas. Euh, donc, un des moyens de commencer à progresser, c'est effectivement des semis avant moisson, qui ont un problème c'est qu'au niveau technique, ça ne marche pas toujours. Ça dépend énormément de, des conditions de l'année, mais ça peut être aussi gagnant-gagnant. Euh, Après le choix des espèces, bien sûr en fonction des systèmes qu'on a, on a découvert court, on a découvert long et là je vous ramène aux objectifs. Donc il n'y a pas de recette, mais simplement on a une capacité aujourd'hui au niveau technique au niveau choix des espèces, de travailler sur différentes durées de végétation etc. Alors si je résume en fait ce système complexe avec les premiers essais qui ont été faits de façon très simple où je sème de façon directe mon couvert végétal, je suis dans un contexte de semi-direct, relativement récent, hein, quelqu'un qui s'est lancé dans le semi-direct depuis 2, 3, 5 ans, un sol qui ne fonctionne pas forcément encore. Par rapport à un travail minimum du sol, qu'est-ce que je vois euh, Là, on a semé euh, trois couverts végétaux, comparé à un sol nu. Ce que je vois, c'est que dans mon semi-direct, la moutarde, sa c'est la moutarde brune, ça ne fonctionne pas. La facélie, ça ne fonctionne pas. Avec des adventices en bleu relativement bien présentes. Le poids fourragé, ça, ça marche. Ça marche. Je suis dans un système où je constate qu'effectivement, on a une difficulté d'implantation. Les légumineuses qui fonctionnent, à quoi ça correspond eh bien Derrière, on a tous ces processus liés à l'azote dans le sol. Et par rapport au sol nu, alors effectivement, les couverts végétaux permettent de réduire l'effet des adventices. Si je compare un travail minimum du sol, mais au moins on a gratté un peu le sol, on voit que l'ensemble des couverts végétaux s'implantent relativement facilement. On a plutôt de l'eau chez nous, mais ce travail minimum induit une minéralisation qui va permettre aux couverts végétaux de s'installer. Je suis dans un système relativement classique. C'est un peu de là que souvent des agriculteurs partent, avec une installation facilitée, travail minimum, pas forcément besoin de labourer, et puis une production de biomasse suffisante pour exercer une pression sur les adventistes. on voit aussi que le travail du sol Mine de rien, a aussi son effet au niveau de l'installation des adventices durant l'interculture. Alors là, ça réveille un certain nombre de, de processus euh, qu'on peut décrire. On peut identifier des, notamment des, des facteurs significatifs ou non. Euh, on sait que la texture du sol, c'est un élément très important. Euh, L'argile, la matière organique qui se trouve derrière par rapport à un sol sableux, des potentiels totalement différents en termes de nutrition directe des plantes que j'installe. La date de semis, en fonction de l'eau disponible, je rappelle, hein, il y a de l'humidité aux sorties d'une culture de céréales. Pendant, pendant tout le mois de juin, la céréale, elle, elle pompe pratiquement pas d'eau. Si j'ai un sol qui conserve, si j'ai pas de ruissellement, si j'ai assez de matière organique, c'est une accumulation qui peut être bénéfique pour la, la culture qui vient juste derrière, la culture intermédiaire. Euh, on a des éléments bien sûr de technique de semis, euh, tout le travail du sol qui est fait avant le couvert végétal. Plus je travaille, plus je déchaume, euh, moins j'aurai d'eau disponible, je perds beaucoup d'eau, donc moins de chances que mon couvert s'installe. C'est un peu tout le problème de l'agriculture biologique d'ailleurs, puisqu'on doit lutter souvent pendant l'interculture contre les vivaces. Mais il y a d'autres moyens d'y arriver. On voit aussi comme facteur important c'est l'accumulation d'eau avant semis, ça c'est bien évident. Et puis un élément en termes de durée, mais qui a bientôt plus de signification dans notre contexte, même en Suisse, c'est la somme de température au premier gel. C'est-à-dire, l'intérêt d'un semis précoce de couverts végétaux, c'est d'accumuler un, un maximum pardon, de temps disponible pour une production maximale de biomasse. Donc ces semis de couverts végétaux au mois de septembre, dans notre contexte, bon, je suis à 2 heures d'ici, ici on ne doit pas être très très différent, on a quand même des fois des premiers frimas relativement précoces en automne. Donc, dès semis au mois de septembre, finalement, j'ai vraiment pas assez de temps en termes de capacité de somme de température pour produire la biomasse. Puis il y a des facteurs non significatifs fertilisation azotée, on peut en reparler euh, matière organique du sol, pas forcément, etc. etc. Finalement, par rapport à ces, cet enjeu climatique, j'ai un problème d'eau, j'ai un problème d'azote c'est un peu les deux facteurs qui permettent notamment l'installation de mon couvert. Et ça, ça résulte d'un certain nombre de facteurs la texture, potentielle minéralisation, les dates de semis, le travail du sol ou pas, la technique de semis euh, et le bilan hydrique. J'insiste sur ce côté azote. Quel est l'état, quel est le statut de l'azote dans mon contexte Et Là, on a deux cas de figure. On a le cas de figure qui correspond à la en traditionnelle, euh, avec, en rouge, L'azote dans le sol, une forte minéralisation après les récoltes de céréales en fonction de, de, de l'eau qu'il y a dans le sol. Et ensuite, une risque, un risque de lessivage pardon, à, dès l'entrée de l'hiver, avec un sol qui se remplit en eau et des pertes. Et en vert, euh, un couvert végétal que j'installe pour absorber euh, cet azote. Ça, c'est le truc classique. Donc, qu'est-ce que j'ai comme couvert végétal, typiquement euh, Ce sont les cipans ce sont des croissances rapides du couvert. Une biomasse très importante, bien sûr non légumineuse, ce sont donc des crucifères, facélie avoine, tournesol, niger, voire sarrasin en, en cycle très court avant une céréale par exemple. L'autre cas de figure qui pose plus de problèmes, c'est cet azote limitant. Ça peut être dû à un manque d'eau, parce que je vous rappelle ce couplage eau-azote plus travail du sol, donc euh, oxygénation, euh, aération du sol qui va induire cette minéralisation. Ça peut être une matière organique largement insuffisante, exploitation sans bétail depuis 20 ans, gros problème de, de, finalement, de fertilité du sol, sachant que la, la matière organique, c'est qu'un indicateur parmi un ensemble de caractéristiques du sol. Ça peut être un travail réduit du sol en semi-direct, dans un contexte en, finalement de transition, parce qu'on voit que sur le long terme, des systèmes en semi-direct... Avec une très bonne structure du sol, fonctionne très très bien, répondent à ces apports d'eau sans avoir besoin de travailler du sol pour déclencher la minéralisation. Et qu'est-ce que j'ai Finalement, j'ai un Nmin dans le sol relativement réduit, un couvert végétal qui va répondre avec une faible biomasse. Par rapport à une amélioration de la matière organique dans le sol, finalement, j'ai peu de progrès. Et l'intérêt, c'est éventuellement d'avoir, comme en bleu, une légumineuse qui, elle, dans des contextes, pour certaines espèces séchards, euh, vont relativement bien et surtout euh, qui n'ont pas besoin de ce côté minéralisation du sol. Là, j'ai une photo typique hein, c'est la moutarde semée après une céréale, pratiquement pas de biomasse, euh, manque d'eau. Une culture qui a besoin, qui, qui pompe pas mal de ressources, c'est une très bonne cipan, mais en contexte limitant, ça donne pratiquement rien. Donc, ce sont des choix de légumineuses, des peu exigeants en azote, en eau, etc. Certains amènent une fumure azotée, ça fonctionne s'il y a de l'eau, s'il n'y a pas d'eau, euh, ça ne fonctionne assurément pas. Et dans tous les cas, l'utilisation, le, l'efficacité de cet azote est réduite entre 20 et 80 Alors sur les légumineuses, bien sûr, il y a tout ce travail sur la fixation symbiotique des légumineuses qu'on a travaillé. Un aperçu, on a testé euh, un peu plus d'une vingtaine de légumineuses dans notre contexte comme couvert végétal en pur, pour comprendre comment elles, quelles étaient les capacités d'accumuler l'azote. Il y a une très nette relation entre la production de biomasse aérienne de 1,6 tonnes et euh, la quantité d'azote par, accumulée pardon, par, la, par la légumineuse de 0 à 180 euh, kg hectares. On sait qu'une partie de cet azote vient du sol, donc les légumineuses pompent l'azote de la solution du sol. Une autre partie vient de l'air, c'est la fixation symbiotique qu'on cherche, et on a une quantité totale euh, qui est l'addition la, des deux. Alors, l'intérêt des légumineuses, c'est effectivement aussi de jouer un petit peu ce rôle d'utiliser l'azote du sol euh, résiduel, s'il n'y a pas d'association. Là, on est en culture pure. Et puis, l'autre élément, c'est de voir quelles sont les légumineuses les plus efficaces. Alors, dans notre contexte, on a la gesse, la lentille qui sont pas mal. On a le poids fourragé, le trépied d'alexandrie par exemple, la févrole, la veste commune, la veste d'hiver ou velue aussi, qui est pas mal. Euh, et y il y a clairement un intérêt pour des légumineuses qui... puisqu'il y a une relation avec la quantité de biomasse, pour des légumineuses à forte biomasse. Il n'y a pas vraiment de légumineuses qui sont plus spécifiquement efficaces en termes de fixation symbiotique. Rappelons qu'il y a quelques légumineuses euh, dont, euh, pour lesquelles on n'a pas de, de rhizobium dans le sol. Et il convient de les, les inoculer. Au bout du compte, on a quand même 150 kg d'azote dans des très bonnes légumineuses. Il se pose toute la gestion de cet azote accumulé dans la biomasse euh, qui sera mis à disposition du sol et avec pour objectif bien sûr les micro-organismes mais aussi la plante qui vient derrière. On a pas mal de documents euh, qui sont à disposition euh, des, des praticiens sur euh, les effets attendus euh, en termes de, de fertilité de ces, de ces différents couverts. On a un document qui s'appelle les principes de base pour la fertilisation qui est régulièrement actualisé. Ou dorénavant, enfin, on a un volet consacré aux couverts végétaux qui donne, qui documente un certain nombre euh, d'éléments, notamment par rapport à quatre grandes classes de couverts végétaux les graminées, pompe à nitrate, les crucifères, pompe à nitrate, L'intérêt des légumineuses et les mélanges légumineuses, non légumineuses, avec des diminutions de l'ixiviation. Je rappelle certains objectifs cipants, même si on l'oublie généralement parce qu'on est plus dans un objectif assez vertueux d'agriculture de conservation. On a des régions où il y a des problèmes de nitrate, ou bien de, de, de perte d'eau simplement, parce qu'il n'y a pas que le nitrate, il y a aussi d'autres substances qui vont avec, chlorothalonil au hasard. Et euh, on a cette diminution de l'exciviation, mais on a aussi cet effet à court terme des couverts végétaux, avec bien sûr des gains particulièrement intéressants dès qu'on a des légumineuses. Un gros progrès qui a été fait par rapport à la gestion des couverts végétaux, c'est la prise en considération du, du rapport carbone-azote. Euh... Par le passé, il y a pas mal d'agriculteurs qui, qui ont produit des super biomasses ils ont incorporé tout ça. Avant le maïs, le maïs crevait de faim. Euh, effectivement, il a fallu adapter euh, la, la, la fertilisation azotée. À partir du moment où on a commencé à considérer dans le conseil euh, la, cette notion de, carbone, de ratio carbone euh, sur azote, on a vu nettement des progrès euh, dans la gestion des couverts. Là à droite, hein, typiquement, euh, après l'hiver, région gélive, j'ai que de la paille, j'incorpore ça dans mon sol, j'ai un problème. Je laisse en surface, ça c'est une autre question, ça fonctionne. À gauche, quelque chose de beaucoup plus appétant. Je reprends l'idée du bétail. Hein. Euh, là, ça marche. Le, le sol est capable de digérer. Et on a ces seuils, hein. euh, en dessous de, de 15, avec une décomposition facile, une production d'azote disponible pour la culture suivante. Ou à l'inverse, au-dessus de 20, euh, clairement une fin d'azote. Une compétition entre la plante et les micro-organismes du sol par rapport à ce pool euh, d'azote disponible. Les micro-organismes sont en général plus efficaces que, que les plantes cultivées. Alors, on peut, on peut considérer ensuite ces éléments en termes d'efficacité, de quantité d'azote libérée par mon couvert. Quand il s'agit d'une légumineuse, selon les, les biomasses, 20 à 50 kg d'azote libéré, ce qui est conséquent. A l'inverse, une, une graminée, j'ai une préemption d'azote, j'ai une fin d'azote qui n'est euh, pas voulue, à part si le but c'est de bloquer l'azote du sol, mais c'est rarement le cas par rapport à nos cultures. Et puis, on a des entrées aussi, des rapports carbone-azote à l'entrée d'hiver qui sont assez intéressants à considérer, entre des poids févroles, vesses, favorables en termes de nutrition des plantes qui viennent ensuite. Par contre, facélie, avoine, euh, beaucoup plus problématique. D'où l'idée, bien sûr, de mélanger. Au-delà de l'azote, on a aussi d'autres éléments, ce sont euh, l'ensemble des nutriments. Alors, c'est clair que ça a été dit, hein, à part la fixation symbiotique, à part le carbone. De la photosynthèse, j'ai pas d'apport net d'éléments nutritifs par mes couverts. Par contre, j'ai une possibilité de rendre disponible certains poules d'éléments nutritifs dans le sol, soit de les aller chercher en profondeur pour les amener en surface, en passant par la plante, soit en modifiant le milieu avec une mise à disposition, notamment par acidification de certains éléments qui seront disponibles ensuite. On a une méthode chez nous qui est relativement proche de la méthode Merci. En gros, les nutriments, nutriments absorbés, c'est une couverture du sol qu'on peut estimer très très bien avec une observation visuelle. L'œil est tout aussi bon qu'un smartphone pour mesurer, pour évaluer la surface du sol qui est couverte par un couvert. Fois la hauteur, fois un indice de culture qu'on a publié, fois une concentration standard liée à chaque espèce, ça nous donne euh, le prélèvement par le couvert végétal. Et euh, là, on a quelques exemples euh, d'accumulation de différents éléments dans le sol. Selon les différentes espèces. Ou généralement, la biomasse est plus importante que la concentration spécifique dans les plantes. Carbone-azote, ça veut dire destruction, mode de destruction qui convient. 10 minutes Mode de destruction. <laughs> D'accord. Ok. Mode de destruction, euh, différents systèmes de destruction qui sont bien documentés. Choisir son mode de destruction en fonction de ses objectifs, ça reste évident. Les effets attendus sur les adventices, on a aussi un certain nombre d'éléments euh, qui sont importants à considérer. L'objectif, c'est bien sûr de supprimer euh, la multiplication générative, voire végétative de certaines espèces. L'objectif, c'est de travailler sur la compétition des ressources et la modification du milieu. Euh, c'est ces éléments de concurrence qu'on regarde. Donc notamment pour les légumineuses, plus euh, pardon pour, les, pour le choix de l'espèce, on a regardé sur les légumineuses, comme ça on n'a pas d'effet allélopathique. Euh, plus j'ai de la biomasse, plus j'ai un effet de concurrence bien évident. Mais aussi, euh, plus ma, mon couvert végétal euh, se développe rapidement, plus j'ai aussi un effet sur les adventices. C'est assez logique. Où ça se complique, c'est les modifications du milieu par des phénomènes allélopathiques, typiquement les crucifères qui largue des substances chimiques, soit par les racines, soit par la biomasse qui est enfouie, et qui induit une réduction de développement des adventices, euh, même à des faibles niveaux de poids secs produits à l'hectare. Les mélanges plutôt que les, que, les, que les cultures pures, on a beaucoup de documentation, on a travaillé énormément sur euh, ces élaborations de mélanges, il euh, y a toujours quand même des publications qui sortent qui prétendent que les cultures pures sont plus efficaces que les mélanges. Donc on doit continuer ce travail de, de, de compréhension des processus. Euh, dans certains systèmes, effectivement, les monocultures sont plus efficaces. Encore faut-il savoir quelle culture en monoculture sera la plus efficace par après. Ça, c'est la difficulté. Donc on travaille, on a beaucoup travaillé sur la complémentarité entre les architectures aériennes, souterraines, racines, sur les systèmes d'interaction pour obtenir différents services recherchés, nutrition des plantes, gestion de l'AMO, euh, porosité du sol favorable par rapport au, au, à la croissance des plantes ou gestion du désherbage. On a travaillé dans un essai de longue durée à Agroscope. On a bénéficié de développements techniques assez considérables euh, au niveau machinisme. Euh, ce qu'on a testé, c'est dans un essai de longue durée, 40 ans, on a mis différents couverts végétaux pour voir comment ils se, ils se développaient et de regarder, selon la productivité de l'année et du contexte, où situer mes espèces. Donc euh, en abscisse, chez la moyenne de l'environnement, donc certaines années on avait une tonne, d'autres années 6-7 tonnes, et la biomasse euh, du dit couvert. On voit l'avoine, le Niger couvert, euh, pardon, l'avoine, le Niger et la moutarde, qui sont des très bons couverts, généralement supérieurs à facilier et et on voit que le poids stagne, généralement bon en situation extensive. Mais qui n'atteint dans nos conditions jamais des, des biomasses extraordinaires. Ce qu'on voit dans le même contexte, c'est si je mélange toutes ces espèces, si j'en rajoute encore une ou deux, j'obtiens effectivement une performance systématiquement supérieure. D'où l'intérêt des mélanges. Encore faut-il le montrer sur le plan scientifique. Donc on a travaillé sur des modèles moutarde, pois, avoine, facélie. Ce qu'on voit, c'est que quand l'azote est limitant, typiquement dans un système. Euh, à bas intran, ou bien dans un contexte lié au travail du sol ou à la sécheresse euh, qui conduit à cette situation. J'ai les points blancs, peu de biomasse en culture pure, j'ai les points rouges, oranges, des espèces non légumineuses, et j'ai mes points bleus et verts qui sont des légumineuses, donc nettement l'intérêt de ces mélanges associés. Ça, on le connaît. En azote peu limitant plutôt limitant, on a par contre un message totalement brouillé par rapport à ça. Donc il y a de nouveau cette nécessité de considérer le statut de l'azote euh, dans mon sol. Et qu'est-ce qu'on a comme processus En fait, si je mélange du, une moutarde et un poids, en fonction de 0 à 1, euh, en, en proportion donc 0 à 100%, euh, si je n'ai pas d'interaction entre les plantes, en fait, le, le rendement est proportionnel au rendement en pur de chacune des espèces. C'est mon, mon trait linéaire. Dans un système où les plantes sont en interaction entre elles, j'ai une augmentation du mélange, une augmentation du rendement, qui soit est supérieure à cette ligne, à cette régression standard, qui même peut atteindre des rendements supérieurs à la meilleure des deux espèces. Et c'est ce que je cherche, en fait. C'est d'associer les bonnes espèces pour que mon mélange ait un rendement supérieur à la meilleure des deux espèces. Et c'est ce qu'on appelle le transgressive over-yielding, donc c'est un surcroît de rendement qui va au-delà des standards. Alors ça peut s'expliquer, il y a des processus en fait entre les plantes, on a une complémentarité assez mécanistique entre la hauteur, le port, le système racinaire, mais on a ces éléments de facilitation, notamment la fixation symbiotique, la sublisation de nutriments des effets d'ombrage mais probablement un gros travail au niveau des micro-organismes et ou bien à l'inverse des phénomènes de compétition qui réduisent ces effets d'interaction. Alors on a testé ces éléments, ça nous permet de proposer quelques règles. En situation bien pourvue en azote, pas un peu de légumineuses, moutarde, si très bonnes conditions, sinon avoine car elle est un peu moins compétitive et ça ça vaut la peine de là où il nous manque en fait des informations sur cette agressivité, je dirais de certaines espèces. En milieu assez riche, il vaut la peine de renforcer les légumineuses. En milieu pauvre, bien sûr, une, 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 je dirais une des légumineuses en, en priorité. Au moins quatre à six espèces, pour être sûr qu'on a ce qu'il faut. Aller à l'intuition, on connaît les espèces qui vont bien sur nos parcelles, sur nos domaines, on mélange celles qui vont bien en respectant ces règles. Et parfois, si on a des problèmes spécifiques liés à la rotation, des exigences de rotation, etc., on peut cibler quelques espèces. Alors c'est clair que le conseil, notamment chez nous, à genève à propose maintenant des mélanges très élaborés pour les paysans, pour qu'ils puissent faire eux-mêmes leur mélange en fonction d'un certain nombre de règles. On a testé différentes stratégies. Alors là, on, est, on entre plus dans le système ça se complexifie. L'effet des couverts végétaux sur les maïs et des effets attendus au niveau des adventices. On peut jouer sur les semis de couverts, différentes espèces, sur l'application non de glyphosate et sur les différents types de travaux du sol. Ce qu'on voit généralement, c'est que le glyphosate, on peut s'en passer très régulièrement à partir du moment où on a fait un très bon choix de couvert, sachant qu'ensuite, on a des herbicides qui nous permettent éventuellement de, de faire du rattrapage. Là, on a différentes performances de couverts végétaux. Je vais quand même avancer. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est là que je voulais prendre un peu plus de temps, c'est finalement euh, de dépasser ces simples mécanismes liés aux couverts végétaux euh, pour entrer euh, face à certains enjeux majeurs que nous avons identifiés dans notre contexte par rapport à la protection du sol. On a quatre enjeux considérables. C'est le tassement, et ce n'est pas le bétail qui nous pose du problème, c'est plutôt euh, les récolteuses quand il s'agit de fourrage, les multiples passages quand il s'agit de fourrage, ce n'est pas tellement les vaches qui viennent derrière éventuellement. C'est la perte de biodiversité qui est un enjeu majeur. C'est cette perte de matière organique qui est un élément crucial en lien avec l'ensemble de ces problèmes. Et c'est l'érosion euh, dont on parle tout le temps. On connaît les problèmes, ça fait des décennies qu'on sait comment résoudre ces problèmes, mais on ne veut pas s'y attaquer euh, pour de bon, même s'il y a tout l'appareil législatif pour, pour y arriver. Et là, on a un certain nombre d'explications, de, 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 de facteurs limitants euh, par rapport à, à ces enjeux majeurs. Euh, les couverts végétaux peuvent jouer assurément un rôle à partir du moment où ils sont combinés avec d'autres facteurs, notamment le travail du sol, notamment la rotation, euh, en termes d'aménagement de, euh, de cette rotation. On sait qu'il y a un, un lien très très fort entre le type de travail du sol et le couvert végétal. Il y a beaucoup de travaux qui l'ont montré. Ça a été une des motivations pour incorporer les couverts végétaux dans notre système. Certains patients semi direct ça ne fonctionnait pas. Ben oui, il manquait le couvert végétal. Ça, c'est des éléments qu'on a bien documentés. Dans un essai longue durée à Changin, là, on a l'évolution de la teneur en matière organique du sol depuis l'installation du dispositif en 1969. PL, c'est le labour en gras, euh, et puis euh, de façon plus ou moins euh, disons superficielle, disons qui ne retourne pas, mais qui sont superficielles, ou bien plus ou moins profonde, chisel, ou bien travail superficiel. On voit dans tous les cas une paire de matières organiques, ce sont en sol argileux ou limoneux, euh, minimum tillage, un travail minimum du sol étant euh, le système euh, qui a permis de mieux protéger la matière organique. Et puis ce qu'on a fait, euh, en 2000, quand le titulaire est parti en 2007, j'ai récupéré l'essai, puis là on a dit, on va introduire le semi-direct, mais aussi on va introduire des couverts végétaux dans ce système, qui était un simple maïs-blé-colza. Quoi, blé-maïs-blé-colza. Et on a commencé à introduire des couverts végétaux, et ce qui a été assez remarquable, c'est qu'en quelques années, la teneur en matière organique a augmenté de façon très nette. Ça veut dire qu'on a une possibilité de faire évoluer nos systèmes, en étant cohérents. Dans différents types de sols, argileux un peu plus difficile qu'en limoneux, mais en quelques années il est possible, à partir du moment où on est vraiment arrivé très très bas, de, de régénérer son sol. Et ça c'est un message important. Euh, ça prend du temps parce qu'il va falloir stabiliser, mais euh, les couverts végétaux sont un très très bon moyen pour améliorer ces systèmes. Dans ce système, on est aussi passé au semi-direct pour augmenter encore l'effet. On a transformé un des dispositifs. Celui en en semi-direct. Ça nous paraissait évident que dans un essai à longue durée, un des procédés devait être conduit en semi-direct. Puis ce qu'on a fait, c'est de la simulation jusqu'en 2067. Si je continue avec du, du labour à gauche, situation en 2012, si je fais trois couverts dans ma rotation, je n'arrive toujours pas à une situation analogue à mon sol au début du système en 1969. Par contre, en minimum tillage, en continuant ce système qui a été adopté dès le début, à partir de un couvert, deux couverts, trois couverts, j'ai une augmentation euh, de mon stock carbone sur le long terme. Et puis, en, en faisant une transition de semi-direct en 2012 dans un système, j'arrive finalement euh, aussi assez rapidement à rejoindre mon minimum tillage qui s'inscrit qui dans le temps pour atteindre des stocks comparables. Donc voilà, ça c'est cette dualité, ces deux facteurs ils sont vraiment cruciaux dans le système. Système racinaire, on n'en parle pas assez. Là, il faut vraiment qu'on travaille davantage. On a caractérisé les différents systèmes racinaires, découverts, végétaux qu'on a testés. On sait qu'il y a des couverts qui ont différentes stratégies d'acquisition de nutriments. On a qui, on a des espèces qui sont qu'on qu appelle le groupe biomasse. C'est des systèmes racinaires qui ont une capacité de produire de la biomasse très importante, qui ont des concentrations par contre en azote et en phosphore relativement réduites, mais qui sont liées aussi par contre à une biomasse aérienne intéressante. Ce sont typiquement les tournesols, févroles, moutardes. On a des groupes avec des très très longues racines, phacéline, niger, navette. Ça aussi, sont des, des, des espèces intéressantes selon le contexte, avec des concentrations par exemple en phosphore qui sont élevées. Et puis on a des groupes intermédiaires avec des gros diamètres, généralement peu productifs au niveau du système racinaire, des concentrations assez faibles. Donc là, il y a moyen d'aller chercher davantage au niveau des couverts végétaux, d'autres services liés aux racines. Un autre élément, c'est la compaction. Les couverts végétaux ne vont pas nous résoudre nos problèmes de compaction. Par contre, par rapport à des sols qui ont tendance à se tasser naturellement, par rapport à des sols limoneux, on a quand même des... Des plantes qui ont des comportements très différents. On a vu dans des études sur le triticale et le soja, comme quoi les racines sont plus ou moins capables d'affronter des systèmes euh, poreux, euh, compactés ou non compactés, tels qu'on le voit en haut. Donc là, il y a aussi tout un travail pour mieux documenter ces couverts végétaux. À l'avenir, ça, c'est encore de nouveau un travail de la recherche. Avec notamment des, des, des modifications au niveau des, des tissus euh, des racines euh, qui vont leur permettre de mieux gérer. Euh, L'oxygène nécessaire à la croissance, euh, puisque c'est un ensemble de, de mécanismes nécessaires. Et puis en passant euh, des tests au frontal, le test beige c'est sympa, le test au frontal ça permet d'aller voir des fois un peu plus profond euh, et puis c'est beaucoup plus accessible que le test à la beige. Ça, c'est des éléments qu'on encourage euh, de faire aussi ces tests à la beige pour aller voir un peu plus en profondeur nos systèmes. On a vu. Euh, ce bilan unique composant du bilan, hein, les cultures intermédiaires insuffisantes en l'état. Euh, on doit passer, je pense, les couverts végétaux un peu négligents tels qu'on les a pratiqués jusqu'à présent. Ils, ils demeurent importants. Hein. Ceux qu'ils ne font pas, ça, ça reste important. Ce sont des éléments cruciaux. Mais il faut passer à l'étape suivante. On le voit dans la pratique. La recherche accompagne. Les mécanismes qu'on a décrits pour des couverts végétaux fonctionnent aussi très très bien pour des cultures, que ce soit des couverts associés à des cultures. Là on a un colza avec des résidus de févrole au printemps, ça c'est la dernière neige qu'on a vue ça fait quelques années déjà, au printemps ça revient, il colza il repart et on est tout content, ou bien sur, euh, sur simplement des associations euh, céréales légumineuses, ici un lupin avec un triticale. Donc ce sont des mêmes mécanismes en fait de fonctionnement des cultures entre elles, autant les favoriser en termes de couverture végétale, mais aussi bien sûr de production, euh, finalement euh, le travail elle même. Et on a une diversité. Là on a un problème. C'est que nos couverts végétaux, ils, sont, ils, sont tous, ils, sont tous, ils se ressemblent tous. On a sélectionné des couverts végétaux par rapport à leur capacité à pomper de l'azote. C'était le premier objectif. Euh, ce qui fait qu'on a des espèces très très compétitives. 30, euh, si, on, si on met ça sur une échelle, 30 à 100%, super compétitives, qui, qui s'accaparent les ressources. Par contre, leur capacité. De résister à certains stress hydriques thermiques sont plutôt limités et ça c'est propre au type de plante qu'on a choisi et puis la, la résistance aux perturbations ça c'est la capacité des plantes à, à s'installer ce côté rudéral à s'installer pendant un temps court hein, comme comme des, ben, les couverts de, de, de cycles très courts donc ces capacités de se multiplier sur un, un, un temps réduit. Là, on a une relativement grande diversité. Si on veut développer des systèmes pérennes avec des couverts végétaux, on est obligé d'aller chercher d'autres plantes aujourd'hui, il me semble. Et de ce côté-là, c'est intéressant de voir ce qui se fait en viticulture. La viticulture, c'est dans l'autre système. Ils n'ont pas les mêmes plantes. Ils ont des plantes qui sont tolérantes au stress, peu aux perturbations parce qu'on ne les dérange généralement pas. C'est des cultures qui sont... Sur la durée, peu compétitif pour pas concurrencer la vigne. Et finalement, en Viti, on est en train d'introduire des couverts végétaux de type grande culture, tout en gardant euh, la couverture végétale classique telle qu'on l'a installée. Et je pense que ce serait aussi intéressant de réfléchir dans ce, cette perspective de couverts végétaux permanents en grande culture, en bande ou je ne sais pas, à imaginer, il y en a qui le font déjà, pour avoir en fait ce système qui s'inscrit aussi dans le long terme, pour actionner aussi des leviers à long terme en termes de protection du sol. Donc là, il y a un progrès à faire. Et le, 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 le progrès suivant, c'est bien sûr l'agroforesterie, c'est aussi une forme de couvert végétal. On a actuellement de gros développements de, de systèmes agroforestiers dans les grandes cultures en Suisse. Euh, et euh, finalement, c'est mêlé ce côté pérenne et annuel. Couverts végétaux. Autre perspective, comme support à la lutte biologique, on lâche des organismes si on n'a pas les couverts végétaux. Généralement, ces organismes se perdent dans le, dans le grand monde du sol et, et ne s'installent pas. Accompagner certains organismes dans la lutte biologique avec le bon couvert permet de les maintenir, par exemple, au-delà de l'hiver. On a un problème, c'est au-delà des évidences, et ça, c'est un sujet vraiment où là, je ne sais pas où aller chercher. Euh, c'est mon dernier slide, avant-dernier. On a comparé chez les meilleurs agriculteurs, chez nous, conventionnels, no et organiques, euh, les champignons du sol. Et ce qu'on constate, c'est que l'organique sort nettement euh, devant les autres systèmes. Alors qu'en organique, on travaille le sol alors qu'en organique, on, on a de multiples sarclages, par rapport à des champignons et des champignons mycorhiziens aussi, on a dans les systèmes organiques quelque chose. C'est un constat, hein, c'est pas une qualification. C'est un constat, quelque chose de beaucoup plus complexe, de beaucoup plus diversifié. Et là, à nous de réfléchir, qu'est-ce qui qu qu se cache là derrière Parce que c'est qu'une observation. On a vu des effets euh, comme facteur explicatif la teneur en phosphore, la densité apparente, le pH et puis la colonisation mycorhizienne euh, des céréales qui étaient installées. Donc là, il y a un gros travail. Il se pose la question de tout le rôle des pesticides, bien entendu, de la fumure du phosphore en particulier, du pH, mais là, on doit explorer. Et comme je disais, au-delà des évidences, ce n'est pas évident quand on sait qu'en semi-direct, et ça c'est des bons, on ne perturbe pas le sol, on espère qu'il y ait un retour, et on voit que ça marche. Ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas le but de mettre en avant l'organique. C'est vraiment de se dire, mais comment progresser en regardant dans les différents systèmes, comment ça fonctionne Et ça, c'est le choix du futur. On peut choisir nos plantes, on peut choisir la manière de gérer le sol, tout à gauche, le futur de la recherche, du développement, c'est toute cette interaction entre le microbiome et les plantes. On peut intégrer le microbiome déjà dans la sélection végétale, on peut inoculer des organismes dans le sol, on peut faire la promotion des organismes qui se trouvent déjà dans le sol, dans un sol sain. Et là, il y a tout un travail d'ingénierie, de compréhension des systèmes qui devrait nous permettre d'aller de l'avant. Voilà, j'en aurais terminé, puis je vous remercie.